Hello, hello, bonjour à tous, désolé pour le retard, j'étais en train de travailler sur toute la partie article et je me suis un peu perdu et donc en gros j'étais un petit peu en retard pour venir ici. Donc open bar le 16e normalement, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, un peu sous l'eau sur beaucoup de choses, quelques petites annonces. On est le 28 avril 2023 et bah écoutez, c'est le moment d'aller chercher un petit thé ou d'aller chercher une bière pour papoter avec moi. Donc, déjà on va commencer par les annonces. Deux annonces. Deux annonces, deux annonces, deux annonces. Je sais pas si je peux voir ça ici. Ah, il faut que je sois authentifié. Alors, première annonce. Il y a la première session de pair programming qui va être faite avec notre ami Martz, présent sur Discord, qui va consister à implémenter BEC 32 ou BEJ 32, ou je ne sais pas comment ça s'appelle à chaque fois. La prononciation en informatique, c'est comme d'habitude, c'est une belle galère. Moi, je dis BEC, parce que ça me fait penser au groupe de musique BEC. En fait, en gros, on va continuer, enfin commencer à implémenter ça. Donc, il y a toute une infra qui a été déployée exprès pour. Donc, tout un système avec Cloud9 IDE, etc. Et différents autres outils pour pouvoir streamer. Le premier, ça va être un test. On va voir ce que ça va donner. Donc, normalement, on va essayer de faire ça en une heure. Ce sera dimanche matin de 9h30 à 11h30, à peu près 11h, 11h30. Si on veut s'arrêter, on s'arrêtera. C'est vraiment pour tester, voir si le modèle fonctionne et si l'infra que j'ai déployée de mon côté, elle est fonctionnelle. Donc il y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire. L'implémentation pour les plus curieux, vous allez la trouver en fait directement. Sais plus. Je crois que c'est celle-là. C'est quit. Ouais, ça c'est l'implémentation Python officielle. Donc le but du jeu, ça va être potentiellement de réimplémenter ça en Erlang, puis de papoter un peu quoi, prendre un peu de plaisir à faire quelque chose de propre à deux si possible sur le projet. Et puis il y a d'autres personnes qui étaient intéressées pour l'avoir en Erlang, donc ça permettra de faire un peu de test et d'innover sur le sujet et de s'amuser avec des données potentiellement déjà existantes. Donc voilà. Quoi d'autre de beau à faire? Pas grand chose pour le moment. Donc ça c'est pour dimanche, c'est prévu. Je suis pas sûr qu'en 2 heures on ait le temps de le faire, mais au moins ce sera fait. Deuxième annonce, pour les gens qui sont sur Discord, c'est pareil, encore une fois c'est en test. On a notre ami Martz en fait qui veut se lancer dans un système de book review, etc. Je sais pas c'est où. Donc on a créé un petit truc sur Books dédié pour ça, avec un peu de review sur les bouquins qu'il est en train de lire, etc. C'est pareil, c'est en test, on est en train d'expérimenter 2-3 trucs. Donc si vous êtes intéressé, pinguez-moi sur LinkedIn ou ailleurs et vous aurez accès au Discord. D'ailleurs, je vais refaire une vague d'inscription pour Discord si vous êtes un peu intéressé. Et il y aura de quoi, y aura de quoi faire, je pense, dans les prochains temps. J'ai aussi organisé l'agenda sur LinkedIn ce matin pour les prochains mois sur ce qu'on a à faire ou pas. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de trucs. Enfin, beaucoup de sessions. Nos STR continuent, doucement mais sûrement. C'est-à-dire que j'ai les sessions passées. Je sais pas si on peut voir ça. Non, je suis pas connecté ici, donc à mon avis, on n'y aura pas accès. Je suis connecté? Waouh, trop cool. Donc, pour ceux qui sont curieux. Oh, ça mouline à mort. Pour ceux qui sont curieux, ça fait un sacré paquet de vidéos qui ont été publiées. Il y en a quelques-uns qui vont arriver là dans pas longtemps sur les shortcuts. Je vais continuer. Ce week-end, si j'ai le temps, je vais le faire. J'ai beaucoup de paperasse à faire. Je suis en retard sur beaucoup de trucs. Donc autant dire que je suis pas sûr d'en faire, mais je vais essayer d'en faire ce week-end. D'ailleurs, j'aimerais en faire plus que de raison. Pour une simple, une bonne raison, c'est que j'ai besoin de prendre un peu de vacances, de soupirer un peu. Donc je vais essayer d'en faire quelques-uns pour gagner du temps et pour présenter tout ça. Donc je ferai peut-être dimanche après-midi ou samedi après-midi, peut-être 3 heures samedi et dimanche après-midi, peut-être 3 heures aussi pareil peut-être 2 ou 3 heures de shortcut. Ça permettra de combler toute une semaine tranquille et vous aurez du contenu pour les prochaines semaines.
Sachant que bon, faut pas se mentir, hein, les vues sont pas exceptionnelles, je m'attends pas forcément à grand-chose. Le but c'est que ce soit présent et qu'il y ait un truc qui soit là et qui toutes les semaines en fait permette d'envoyer un peu de contenu. Donc voilà pour YouTube avec les annonces, etc. Un petit récap, donc le truc de bouquin, donc les reviews de livres, etc. Et évidemment la partie pair programming qui j'espère va bien fonctionner parce que ça va permettre potentiellement de démarrer d'autres sessions potentielles, genre par exemple tout ce qui est mentoring, etc. Après un peu plus tard. Donc ça pourrait être assez sympa. Cet open bar, comme d'habitude, il n'est pas vraiment planifié. Donc moi, je propose qu'on fasse un petit tour dans les news. J'ai vu qu'il y a eu des annonces au niveau de d'Erlang OTP, je crois. Donc ça, il n'y en a pas eu. Ça, il n'y en a pas eu. Ça, il n'y en a pas eu. Je crois que c'était au niveau d'ici. On a la 25.3.1 qui est sortie d'OTP. Donc pareil, je l'ai pas testé. J'ai pas eu le temps de même de voir en gros ce qui se passe. Donc il y a eu des bugs qui ont été fixés. Correction de bugs. Ok. CSL 3, ok, des bugs fixes. LDAP info, return to socket, alors tout ça j'utilise pas donc limite je m'en fous un peu. À l'interface, application can be applied independently, blablabla. For a few arm specific instructions. Donc c'est vraiment du bug fixe a priori, y a pas vraiment de choses incroyables. Memory corruption. Inets, correct timing relats. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, on va peut-être faire un petit peu de SSL après. Ah, ça ping. Oh là là, ça c'est une question de ouf ça. Je propose qu'on fasse une enquête parce que pourquoi OpenSSL 1.1 est toujours utilisé dans OTP 25? On va regarder ça après. Mais je pense que c'est une longue histoire. Je suis en train de bosser sur SSL et je pense que c'est un sacré gros bordel au niveau. De toute façon, SSL, dès qu'on parle d'SSL, c'est toujours un sacré gros bordel. On va peut-être faire un petit tour là-dessus. Une petite enquête sur le sujet. Je regarde juste vite fait la dernière release pour voir ce qu'il y a. AirPass module has been updated. Ouais, ok, donc en gros, maintenant, il y a tout ce qui est opérateur maybe qui sont inclus. Correction au niveau de WX et OpenSSL. Fixe. Ouais, il y a eu des petites corrections de bugs aussi au niveau de ça. Bon, je connais pas plus, j'ai pas le temps de checker, mais bon, comme d'habitude, si c'est des minor releases. N'hésitez pas à les mettre à jour, parce que je pense que si vous utilisez votre application avec du SSL par exemple, ça pourrait être intéressant de bosser sur ce sujet quoi. C'est de mettre à jour votre application, parce que c'est pas forcément la meilleure des choses d'avoir un truc pas à jour. OTP Master, il y a tellement de trucs sur OTP Master. Je m'étais abonné à ça en fait, avec l'espoir de pouvoir un jour faire des code review entre guillemets. J'ai vraiment pas le temps, il y a trop 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 de données. Read, pareil, on va aller faire un petit tour sur Elixir. Il y a tellement de news sur Elixir. C'est la même chose. Il y a trop de trucs à voir, il y a trop de trucs à voir et j'ai pas le temps de faire ça. Il faudrait que je planifie un truc un peu plus en détail. Mais la question sur OpenSSL 1.1 est assez intéressante. Déjà, je pense, moi de mon côté. De ma petite expérience que j'ai eue avec OpenSSL et SSL un peu dans tous les sens, c'est que c'est une librairie qui est vraiment dégueulasse. Alors je sais pas si vous vous souvenez, on va commencer par le début. Je sais pas si vous connaissez Valhalla Rampage, qui a été le premier projet de LibreSSL fait par. Par comment ça s'appelle, par OpenBSD. Alors, on va remettre les choses de clair tout de suite. Je suis un utilisateur d'OpenBSD depuis plus de 10 ans, voire peut-être maintenant 15 ans.
voire même encore plus vieux, parce que les premières versions, je les ai installées quand j'étais au collège, donc ça fait un sacré bout de temps. J'ai toujours été en tant qu'utilisateur et très rarement en tant que participant du projet, parce que je n'en vois pas l'intérêt. 99,9% de ce qu'ils ont à mettre en place correspond à ce que j'ai besoin dans la vie de tous les jours. Mais je suis plus présent au sein d'OpenBSD comme une personne qui donne des formations ou qui déploie des infrastructures qui utilisent OpenBSD au jour le jour. Typiquement, j'ai jamais fait de commit dessus. Moi, en fait, de mon côté, j'avais des branches privées de mon côté pour faire des tests. J'ai fait quelques petites expérimentations et pour différents clients, différents projets, je me suis amusé un peu avec tout ça. Bref, pour les gens qui se souviennent, il y a eu une faille de sécurité assez énorme dans OpenSSL qui s'appelait Heartbleed. Donc il y a à peu près 8 ans, mais je crois que c'est un peu plus vieux que ça même, ça doit être 9 ou 10 ans, où il y a eu une énorme faille de sécurité, et les gars de chez OpenBSD avaient renvoyé déjà plusieurs fois à OpenSSL, enfin à la communauté OpenSSL, un nombre incroyable de patchs. Malheureusement, ces patchs-là, pour la majorité, n'ont pas été appliqués. Ils ont été mis de côté, n'ont jamais été ou très rarement appliqués, malgré les relances incessantes des équipes d'OpenBSD. Quand le Heartbleed est apparu, les gars d'OpenBSD, comme d'ailleurs beaucoup d'autres personnes, ont été très énervés parce qu'il y avait énormément de fixes qui avaient été faits, qui n'avaient pas été mis en place et qui mettaient à risque en fait en gros tout un écosystème, tout l'écosystème SSL. TLS, SSL, DTLS, etc. Donc un sacré paquet de personnes potentiellement à risque. Ils ont décidé de faire quoi? Ils ont décidé de faire le projet Valhalla Rampage, qui disait on va prendre OpenSSL et on va supprimer toute la merde qu'il y a dedans et garder que ce qui est compatible pour Unix, en particulier OpenBSD, voire Linux. Donc on nettoie tout, on supprime tout ce qu'il y a à gauche à droite, tous les trucs incohérents, tous les commentaires qui servent à rien, tout, tout, on nettoie tout, on refait tout au propre. Donc en fait ils ont créé OpenSSL Valhalla Rampage qui a donné naissance à LibreSSL. Alors je sais pas si vous connaissez LibreSSL. Hop, qui est donc la version OpenBSDifiée d'OpenSSL, comme ils disent en 2014, donc ça fait 9 ans. Quelle est la différence avec la version qui est par exemple d'OpenSSL actuellement en production utilisée un peu partout? Comme j'ai dit, il y a eu énormément d'optimisations faites dessus, beaucoup de nettoyage, une documentation qui a été globalement refaite, beaucoup de patchs de sécurité liés à OpenBSD, et surtout il y a eu un portage qui a été fait un peu plus tard. Ouais, LibreSSL est utilisé par défaut sur Alpine. Il est aussi utilisé par défaut dans mes souvenirs avec ah mince, Void Linux. Et pas mal de distributions sécurisées l'utilisent par défaut. Je sais qu'il y avait Hardnet BSD. Je sais pas si pareil, je sais pas si vous connaissez ce projet. Qui est en fait un fork. Ou plutôt. Ouais, je peux pas dire un fork, mais une amélioration de FreeBSD qui l'utilisait aussi. Qui a du coup dû l'arrêter à cause justement des problèmes de compatibilité qu'il y avait entre LibreSSL et OpenSSL, ils avaient trop de soucis. Et si vous ne connaissez pas, en fait, Hardnet BSD, c'est le système d'exploitation utilisé par OpenSense. Je crois que c'est .org, ouais, c'est ça. Qui est lui-même en fait un fork ou une sorte de création alternative de PFSense. Qui a été fait pareil en 2014-2015, je crois, un truc comme ça, suite à une énorme problématique au sein de PFSense, qui ont fait une pression atroce et totalement injustifiée sur les utilisateurs et les revendeurs, en fait, surtout de matériel PFSense. Et OpenSense utilise maintenant Hardnet BSD par défaut, qui est en fait une version de FreeBSD. Alors je dirais pas similaire d'un point de vue sécurité ou comparable de sécurité à OpenBSD, mais qui offre énormément de solutions comment dire de sécurité en natif. Donc là vous avez un petit tableau en fait qui permet d'expliquer tout ça. C'est un truc qu'il faudrait que je vous présente un de ces quatre aussi, parce que tous les systèmes BSD ça me passionne. Même si la communauté pour moi elle est partie totalement en couille. Désolé pour l'expression, mais j'en ai pas d'autres. Le délire c'est qu'en fait ils ont vraiment d'un point de vue architecture, plateforme, solutions à offrir, ils ont toujours vraiment été designé pratiquement pour moi quoi. Et donc c'est vraiment cool. Donc voilà, à titre d'exemple, normalement j'utilise LibreSSL. Alors je sais plus s'ils l'utilisent maintenant. Ouais, donc ils l'ont supprimé il y a quelques temps.
Mais en fait, LibreSSL faisait partie de tout ça. Donc, d'un point de vue historique, revenons à nos moutons. Ils ont fait ça et de l'OpenSSL Roundpage, c'est super intéressant parce que c'était une sorte de résumé des trucs aberrants qu'ils ont trouvés. Donc, en gros, vous avez en fait les diffs, les machins, les trucs, tout ce qui se. Alors, je sais pas s'il est au complet. Parce que je sais que toutes les semaines, globalement, ou un truc comme ça, ils faisaient ça. Et en fait, ils expliquaient toutes les atrocités qu'ils voyaient au sein, en fait, en gros, d'OpenSSL. Et que, je pense que vous voyez la quantité de trucs qu'ils ont fait. Moi, j'ai pas tout suivi, hein, parce que je fais taré pour suivre ça à l'époque. Mais en fait, en gros, ils listaient toutes les erreurs et tous les nettoyages qui ont été faits. Et donc là, ils ont fait un nettoyage complet. Franchement, si vous êtes intéressé pour voir la quantité de merde qui était présente au sein de l'application, mais c'est un truc de fou de se dire que cet outil-là, OpenSSL, est utilisé par des millions de personnes autour du monde et que personne n'a jamais fait ce travail, quoi. Donc voilà, des cas d'exemple comme ça. Donc pour information, quand ils ont fait leur LibreSSL, il y a énormément de failles après qu'ils sont sortis, qui ont été annoncées du côté de la sécurité d'OpenSSL, etc. et tout. Et ce qui est assez marrant, c'est que peu de temps après, il y a eu beaucoup de failles de sécurité qui sont sorties et LibreSSL n'était pas du tout impacté. C'est quand même assez marrant de voir que quand on fait un nettoyage complet, on arrive à un truc beaucoup plus stable. Alors certes, toujours compliqué à utiliser, mais déjà beaucoup plus stable avec moins de problèmes. Et c'est incroyable tout le code qu'ils ont supprimé. Et modifier, cleaner, enfin c'était juste un truc de fou. Et donc revenons à nos moutons, pourquoi je parle de tout ça? Bah c'est parce que la librairie OpenSSL en elle-même est un sacré bordel. Déjà, faut savoir que les interfaces sont dégueulasses. Si vous avez déjà codé, il y a un bouquin en particulier, désolé, j'ai utilisé Amazon, que j'avais à l'époque quand j'avais commencé à m'amuser avec OpenSSL. Oh, si, je m'en fous. Accepter cookies qui s'appelait. Ah, je sais plus. Non, c'était pas OpenSSL, VTSSL, tout court. Je vais bien le trouver. C'est celui-là. Donc, le premier bouquin que j'ai lu en fait, vraiment sur OpenSSL et SSL en général, c'était celui-là. Et vous lisez ça. Vous en ressortez qu'avec un petit goût de vomi à l'arrière là, parce que c'est juste, franchement, je crois qu'on n'a pas pu faire un truc aussi dégueulasse que les interfaces pour utiliser SSL TLS. Et même d'un point de vue pratique cryptographique, il y a pas mal de personnes en fait qui disent qu'il y a un énorme souci parce que tout ce qui devrait être, comment dire, abstrait de l'utilisateur ne l'est pas. Et ça pose d'énormes problèmes parce que tout ce qui justement contient de la complexité. Je donne un exemple, mais l'histoire des nonce des vecteurs d'initialisation, c'est des trucs qui sont ultra importants pour beaucoup de protocoles et qui sont pas générés en natif en fait par la librairie. Et c'est l'utilisateur, le développeur, qui est responsable en fait de ça. 99% des gens, quand ils font de la cryptographie, ils utilisent une librairie qui leur semble être OK, ils lisent la doc 2-3 secondes, fin de l'histoire. Ce qui fait qu'en gros, déjà rien que ça, il y a un problème parce que par définition, la librairie qui est offerte par OpenSSL par défaut s'imagine, c'est encore une fois, c'est un truc de malade mental, que les gars qui utilisent OpenSSL sont tous des experts. Ce qui est absolument faux. Donc par définition, on devrait utiliser des méthodologies de fonctionnement beaucoup plus strictes et rigoureuses et faire une abstraction beaucoup plus haut niveau pour offrir justement cette sécurité à ces gens-là. Alors, pourquoi j'en arrive là? J'en arrive là pour une simple et bonne raison, c'est que si on va sur le code source de d'Erlang au niveau d'SSL, alors on va prendre la librairie crypto, c'est src, et là vous voyez déjà le nombre de fichiers en C qui est présent. J'aurais peut-être dû cloner tout ça, je crois que je dois l'avoir en local. On va aller faire un petit tour en local. OTP, CD, lib.
sais pas si j'ai le code. CC? Non. Non, je l'ai pas. Tant pis. Sinon, j'aurais calculé la complexité qu'il y avait. Mais là, déjà, rien que pour l'interfaçage avec OpenSSL, évidemment, sans retirer les commentaires, on est déjà à 15 000 lignes de code. Ensuite, il y a eu, depuis la version d'OpenSSL, la nouvelle, je sais plus à chaque fois c'est laquelle, je crois que c'est la 1.0 ou un truc comme ça, il y a eu énormément, en fait, enfin, énormément, suffisamment de changements au niveau des interfaces pour faire en sorte que ça pose des problèmes de compatibilité. Je sais plus où on voit ça. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été sur site OpenSSL que moi-même j'utilise globalement que du LibreSSL maintenant. Donc autant dire que je sais plus où je vois ça. Ça doit être dans la doc. Man page. OpenSSL 3.0. Je sais même plus où on voit ça. Ah, ça doit être là. 3.1 série. Ok, also valable 1.2.3.0 série, blablabla. The preview cell test version the 1.1 series elle soit valable en supported until 11 septembre. Ok, donc ça c'est jusqu'au septembre 2023. Et les autres versions incluent les 1.1, 0.9, etc. quoi. Et il y a eu énormément en fait de changements. Alors déjà, on va aller voir la release stratégie, parce que c'est bien, on va faire un peu d'investigation. Je sais pas s'ils ont changé depuis le temps. Ok, donc déjà ils ont changé le modèle de release. Donc déjà ça peut être une des réponses pourquoi en fait en gros les gars d'Erlang conservent ça, sachant qu'ils ont jusqu'au septembre 2023 pour régler tous ces problèmes-là, pour passer à la version 3. Je pense que si on va sur la version d'OTP, il y a, doit y avoir probablement une branche où les gens travaillent dessus. Alors, est-ce qu'on peut voir ça ou une pull request peut-être? On va essayer de chercher. Je suis même pas sûr au final. Vous êtes sûr qu'ils sont pas compatibles avec la 3.0? On va regarder ça. Parce que je vous avoue, je me suis même pas posé la question. Pourtant, je suis en train de bosser dessus et c'est une bonne question au final. Ok. CRC doit y avoir un MacFake dedans. In. Est-ce qu'il y a un numéro de version là-dedans? Si vous avez un numéro de version, je suis preneur, hein. N'hésitez pas. Vois pas trop où c'est. Alors, qu'est-ce qu'il raconte au niveau du config file? Disable build, défaut isable OTP test, unless for LibSSL 3.5.0. Bah déjà, il parle de la version 3.5.0 de LibSSL. Je me demande si en fait ils auraient pas déjà bossé là-dessus au final. Il y a quoi au niveau des commits et des merges qui ont été faits? Alors, copywriter, bla bla bla, on va plutôt les voir dans crypto, CSRC. Alors, bah écoutez, désolé, mais je pense que en fait, il supporte OpenSSL 3.0. Donc je sais pas où vous avez vu ça. Je pense que c'est utilisé par compatibilité. Mais généralement, ils sont quand même plutôt à jour au niveau de ça. Mac for 3.0, peut-être regarder ce qu'ils ont fait ici.
J'aurais peut-être dû regarder sur les release notes, ça aurait été plus rapide que de s'amuser à regarder l'history. Ah, là, un truc intéressant. Itself, ok, 3.0.2. OpenSSL 3.0. Y a pas mal de codes qui ont été faits, donc je pense qu'il y a le support qui est fait. Alors la possibilité, c'est peut-être que sur les versions que vous utilisez, c'est pas forcément super stable, c'est une possibilité. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir été fait en 2022. LibreSSL 3.5.0. Alors je sais pas la version LibreSSL. Mince, c'était où? 3.7.2. Quelle est release notes? Up release. Normalement, ça doit être relativement compatible avec. Mais je me souviens plus si les gars d'OpenBSD avaient fait la compatibilité justement la version 3 en fait de l'API Open. Voilà. OpenSSL 3.0 interop test added. So, je pense qu'en fait en gros c'est rétrocompatible, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Je pense que ça date depuis un petit bout de temps. Au moins depuis la 3.5 je pense. On va regarder, on va faire un petit tour, un petit peu d'investigation. C'est un truc de fou. Quand on voit les modifications qu'ils ont fait, c'est un travail de malade. Alors, où c'est que ça pourrait être tout ça? Ah, c'est peut-être plus récent que prévu alors, la 3.6.0. Mais je pense qu'il y a quand même une interopérabilité entre les deux, donc les API pour moi en fait sont fonctionnelles. Sur du point de vue Erlang pur, déjà moi je pense que y a ce qu'il faut en fait d'un point de vue crypto. Flip for crypto version, ok. Il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits en 2022 justement pour supporter la version 3.0 de au moins la 3x et quelques pour les cryptos quoi, enfin pour OpenSSL. Et a priori, ça date au moins depuis 2022. Alors, using SLP, piu. C'est un peu bizarre. Je vois pas ce que tu veux me montrer là. Parce qu'en fait, en gros. Que c'est moi qui ai mal compris la question. OpenSSL 1.1. Je pense encore une fois, c'est vraiment resté là par compatibilité. Je suis pas dans avec les core développeurs d'Erlang, donc je peux pas vraiment savoir. Mais après, il peut y avoir aussi plusieurs problématiques à ça. Déjà, potentiellement, sur ton système à toi, tu utilises une version 1.1. Donc en fait, il faut le back sur la version stable par défaut que tu as installée. Moi je sais pas du tout ce que j'ai en fait sur mon système, on va regarder ça tout de suite. Moi typiquement je suis en version 1.1.1 sur mon système.
Donc la version de Debian que j'ai, en tout cas, utilise une version 1.1.1. Donc après, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, quand je code sur OpenBSD, c'est forcément une version 3 et quelques. Donc à voir d'un point de vue compatibilité, etc. Parce que moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que le code, d'un point de vue code source, il est présent. Alors savoir s'il est, il a été release sur les dernières versions. Ah, quoique OTP 26. Ah si, 2022, je pense que c'était release. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça d'un point de vue release. On va voir la branche de maintenance 25 par exemple. Allez, on va faire un petit tour. Bah, je pense que c'est des raisons de rétrocompatibilité. Après, faut savoir que ça dépend. Franchement, tout ce qui est de librairie, style OpenSSL, etc., enfin, le maintien est super galère à faire. T'as qu'à regarder les gars de chez Debian, qui en fait maintiennent des packages, en fait, en gros, d'un point de vue sécurité, généralement plus longtemps que les versions qu'il y a en. Disponibles officiellement, ils sont obligés de faire des patchs par-dessus des trucs. Enfin, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc les librairies comme ça, c'est super compliqué. Et comme ça bouge à mort à gauche à droite, c'est pas forcément des plus simples. Mais je vais juste quand même regarder. Mais là, sur la branche de maintenance de la 25, a priori, il y a quand même le support de la version 3 d'OpenSSL. Hein. Alors il n'y a pas la 3.1, mais en tout cas, la 3.0. Pareil pour les versions de LibreSSL, a priori ça a l'air d'être présent. Donc en tout cas sur la branche de maintenance 25, si on suit la branche 25, on est compatible. Hein. Certitude, ça par contre j'en sais pas, j'en sais trop rien, mais moi pour moi en fait c'est compatible. Et comme je viens de vous montrer, en fait en gros moi ma version que j'ai sur mon système c'est la 1.1.1. Actuellement c'est une version qui est supportée. Il n'y a pas de raison en fait que même s'il y a des problèmes de sécurité, il y en a tout le temps des problèmes de sécurité sur ces trucs-là, il n'y a pas de raison que ce soit pas supporté, qu'il n'y ait pas de patch. Donc déjà rien qu'au niveau de ça, je pense que ça devrait être bon. Après, si vous voulez vraiment utiliser une version, rien ne vous empêche de télécharger la dernière version d'OpenSSL, les sources, la compiler et faire. Vous faire un petit, je sais pas moi, un conteneur ou n'importe quoi qui contient ça dans un coin et vous pouvez l'utiliser hein, sans aucun problème. Mais bon, c'est un peu lourd, autant suivre ce qu'il y a au niveau des distributions et ça évoluera au fur et à mesure sans trop de soucis à mon avis. Ce que je voulais voir, c'était la branche de maintenance 24. Voir si c'est présent aussi. Pour moi, en fait, c'est présent sur la branche de maintenance 24. La 23, on va regarder. Ah, la 23, là, déjà, ça devient un peu compliqué. A priori, la 23 en fait ne pourra pas supporter la version 3.0 d'Erlang. D'OpenSSL, désolé. Ouais, pour moi, à mon avis, en fait, il faut avoir une version 24 au minimum pour avoir le support en fait de la version déjà 3.0. Mais déjà, résumons un peu. Erlang, OTP, supporte LibreSSL. A priori, au moins jusqu'à la version 3.5.0, vu qu'il y a eu quelques soucis de compatibilité avec. Moi, personnellement, je fais une partie de mes articles sur SSL, etc., sur du OpenBSD en parallèle. Ça fonctionne bien, j'ai jamais eu de soucis. À vrai dire, je trouve même que c'est plus stable que ce qu'il y avait avant. Donc ça fonctionne. Ensuite. OpenSSL actuellement, la dernière version en date c'est la 3.1. La version LTS ça va être la 3.0
qui va être supportée jusqu'en 2026. Et actuellement, cette 3.0, si on en croit en fait en gros l'histoire des commits, etc., elle est au moins supportée depuis la version 24. Donc, si elle est supportée depuis la version 24, si vous utilisez par exemple Alpine, parce que j'ai vu Alpine tout à l'heure, il y a de fortes chances que la compatibilité soit en 3.0. Maintenant, il faut peut-être voir aussi au niveau des packages, par exemple chez Alpine, qui utilise peut-être pas non plus. J'utilise la 3, hein. Donc que j'utilise la dernière version, il n'y a pas de souci. Par contre, comme moi j'utilise une dérivée de Debian, j'utilise une 1.1 à mon avis, on va aller voir ça tout de suite. Donc sur la Bullseye, la stable, on a bien la 1.1. Et après, il faudrait voir la instable en fait. Seed Experimental. Je sais même plus c'est quoi la prochaine. Je suis pas un grand fan de Debian, donc j'utilise ça parce que ça juste marche et que j'en avais besoin. La seed, ils sont à quoi? La seed, ils sont 3.0. Et la expérimentale, ils doivent être. Il n'y a pas. Donc la seed, c'est 3.0. La bookworm, je suppose que c'est la testing, ouais, c'est ça. Ils sont en 3.0 aussi. Donc, ça veut dire que la prochaine release de Debian, dans tous les cas, il utilisera une 3.0. Ici, on va du côté d'Ubuntu. Je pense que, comment il s'appelle, FreeBSD, NetBSD, j'utilise déjà la 3.0 ou la 3.1, je pense. Je vais regarder ça après. OpenSSL. Put. Donc, la 2210 utilise 3.0. 2.10, 2.10, non, c'est ça. Hop. Alors, Jamie. 3.0, focal 1.1. Donc ça donne une petite idée en fait. Je pense que ça dépend vraiment des versions de là où vous installez en fait vos packages. Si j'utilise Alpine, je serai en 3.0, donc se dire qu'Erlang sera probablement en 3.0. Est-ce que j'ai Docker? Docker pool. Docker.io Ah non, ce que je voulais faire c'était Alpine. Désolé. On va choper la dernière Alpine et on va voir ce qu'il y a dedans en installant. Donc j'utilise la 3.0.8, compilée le 7 février. Normalement c'est la dernière Alpine que j'ai. Hein. Je sais plus comment on fait LSB release. Non, je sais même plus sur Alpine c'est quoi. Je regarderai après c'est quoi le tag que j'ai chopé. Mais normalement par défaut c'est la dernière la test. Donc ça date de février 2023. 3.0.8. Donc ça devrait être bon. Et si je fais un petit coup de Erl SSL. Plutôt peut-être crypto. Et c'est quoi ces versions? 5.1.2, donc ils utilisent en fait en gros par défaut, comme on disait tout à l'heure, en fait une version de LibreSSL, je pense. La libcrypto en tout cas. Oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé PK. PK list. Est-ce que libcrypto 3.3 OpenSSL je pense que c'est la libcrypto qui doit être installée dessus. J'ai pas de garantie. Mais en tout cas, j'ai vu avec la version qui était installée. Je suis fatigué.
moi c'est 5-1-2, ça m'a l'air d'être pas mal. Je sais plus, il y a un autre. Y a pas mal de supports de trucs. C'était quoi déjà? J'ai oublié les fonctions. Je sais qu'il y a un autre outil pour voir en fait en gros les. Le support complet, je crois que c'est info, mais je suis pas sûr. OpenSSL 3.0.7, crypto version Link. Oh, c'est marrant ça, ils ont un problème de version au niveau du linkage. Des liens entre les versions. OTP crypto version 5.1.2. Et en fait, en gros, on a bien OpenSSL 3.3.8.0. Donc, je sais pas si ça te confirme en fait, en gros, ce que je suis en train de te montrer là. Mais il y a le support en fait d'OpenSSL 3.0 qui a été fait. Donc, l'LTS en tout cas, elle est supportée. Mais la 3.1, évidemment, elle n'est pas supportée pour le moment. Ce qui me semble être assez cohérent vu la complexité du truc. Et par exemple, au niveau des versions qu'on utilise, que ce soit Ubuntu, Debian, j'ai pas regardé FreeBSD, FreeBSD. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, ils ont changé leur nom. Je sais plus ce que je voulais. OpenSSL. On va y arriver. Et après, il faut changer au niveau des sources. Mais en tout cas, au niveau des packages, à mon avis, ils ont la bonne version. OpenSSL 3.1. Déjà, a priori, ils ont la version 3.1 qui est supportée. Et après, il faut regarder au niveau de FreeBSD. Github.com. FreeBSD, SRC. Non, c'est pas ça. C'est base. Je sais plus. Et là, il faut regarder au niveau des versions qu'ils fournissent. Donc pareil sur la base en fait ils ont la 1.1.1. À mon avis en fait cette mise à jour après au pire dans tous les cas dans les portes ils ont leur version donc il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Je pense qu'il y aura la prochaine version qui sera annoncée d'ici sous peu. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas il y a le support qui est fait. Personnellement je pense que si ça prend du temps et compagnie, c'est surtout une question de compatibilité. Et c'est pas évident. Par contre, le support des anciennes versions, à mon avis, la 1.1.1 va rester pendant un petit bout de temps. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même des vieux systèmes qui fonctionnent sur la 1.1.1. Ne serait-ce que des systèmes en prod qui utilisent du Erlang OTP 23, 24, enfin 23, 22, 21, voire encore plus vieux pour certains, qui seront encore obligés d'utiliser du 1.1.1. Et donc à partir de là, on est obligé d'avoir une rétrocompatibilité. Et ils ont beau marquer LTS dans l'équipe OpenSSL. Ça s'est déjà vu plusieurs fois que après la fin de support d'une certaine version, ils refassent quand même des correctifs de sécurité d'urgence parce qu'il y a des choses beaucoup trop critiques. Et en fait, ils peuvent pas se permettre de laisser ça dans la nature. C'est quand même un peu de leur responsabilité, entre guillemets, de fournir ça. Par contre, il y a un truc qui pourrait être super intéressant, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, mais il y a des alternatives en fait à OpenSSL qui sont vraiment bien et vraiment ultra spécifiques et enfin pas forcément spécifiques mais très très optimisées. C'est le cas par exemple de BIR-SSL. Et rien qu'au niveau typiquement d'utilisation de mémoire, ça fait partie des trucs où je me dis. Je sais pas si ça existe une implémentation de ça avec Erlang. Mais honnêtement, non, il n'y a pas. Et si un jour j'ai le temps, franchement, parce que c'est super compliqué à faire, et je suis pas cryptographe ni rien, et je suis pas un expert en C, je me sens pas assez de taille pour gérer avec ça moi-même. Mais implémenter ça pour du Erlang, ça pourrait être vraiment super sympa, quoi. C'est une super librairie, super stable, relativement simple à utiliser. Les interfaces normalement sont compatibles dans mes souvenirs avec OpenSSL, en tout cas pas mal d'API, pas mal d'API.
Et typiquement, ça pourrait être une alternative viable, comment dire, autre qu'OpenSSL qui est livré par défaut en standard. Et comme je l'ai dit, globalement, c'est du C, c'est vraiment minimaliste à mort. Alors, je sais plus si, où c'est qu'on voit le code source, mais je sais que j'ai la première fois que j'ai découvert BRSSL, j'étais impressionné par justement la gueule du code, quoi. Bah mince, leur git il est parti. C'est con ça. Ah, ça c'est ballot. Bref, il y a d'autres alternatives comme ça pourrait être partie des nombreux projets il y a quelques années justement, quand je m'étais remis au C, et je m'étais dit ce serait peut-être bien d'intégrer ce genre de projet directement dans l'écosystème Erlang. C'est quand même pas forcément évident, et d'ailleurs je le vois, mais en fait on est en version bêta encore. Ça c'est bête, je pensais que ça avait un peu bougé depuis la dernière fois que j'avais été. Mais ça fait partie des choses qui pourraient être intéressantes, voir des alternatives popper un peu, enfin des vraies alternatives au OpenSSL, offrant vraiment ce qu'on a besoin, ou un vrai niveau de sécurité important, quoi. Je sais qu'à côté on a d'autres alternatives, hein. Il y a Polar SSL par exemple. Je crois que c'est Polar SSL, hein. Ouais, c'est ça. Qui est une autre alternative en fait à OpenSSL. Personnellement, j'ai jamais utilisé, je ne sais pas du tout les différences qu'il y a entre OpenSSL, mais ça peut être aussi des alternatives qui pourraient être utilisées, quoi. Personnellement, ce que j'aime bien avec Erlang, c'est le fait qu'il y a tout d'intégré, c'est minimaliste. On pourrait très bien s'imaginer intégrer un truc genre BRSSL directement dans le corps. Ça me Enfin, moi personnellement, vu la taille du projet, ça me semble pas incroyable, mais ça ferait en sorte que les gars qui font du Erlang soient aptes à gérer le truc comme d'hab, from scratch, quoi. Bref, en tout cas, là je dérive un peu, c'était juste pour faire un peu parler de l'histoire de tout ça. Quand on parle d'OpenSSL et des librairies crypto en général, c'est un sacré bordel. De mon expérience et de mon point de vue, c'est vraiment pas évident à gérer. L'histoire l'a prouvé, les 10 ou 20 dernières années l'ont prouvé. Généralement, c'est pas évident du tout à porter, et ne serait-ce que le changement de logique d'un seul truc ou un mauvais paramètre, etc., ça peut être une catastrophe à tous les niveaux. Donc, la réponse finale sur pourquoi ils gardent, je vais te donner trois réponses en résumé. La première, par compatibilité avec les anciens systèmes, ce qui me semble être critique. La deuxième, la 1.1 était une LTS comme la 3.0 va l'être, donc le support est déjà en cours. Si tu t'attendais à voir la 3.1, c'est pas près d'arriver pour le moment. Je pense que ça arrivera, comme d'habitude, à la dernière minute en 2024, 2025, voire 2026. Mais ça va arriver, à mon avis, un jour ou l'autre. Dans tous les cas, la version 1.1 d'OpenSSL et des autres librairies, etc., sera le mat. Enfin, comment dire. L'interface sera quand même toujours supportée, quoi. Voilà. Et accessoirement, bon bah t'as eu la preuve que sur Alpine c'est fonctionnel. Et même avec Erlang compilé sur Alpine, on a bien la version 3.0 d'OpenSSL qui est utilisée, quoi. Voilà. Bon bah on va dire que c'était la réponse aux questions. Je voulais lire les news, au final on a répondu à cette question, ça peut être assez intéressant. C'est vrai qu'on pourrait aussi regarder faire un tour sur le code source en C, mais je pense que. Je vais pas vous infliger cette souffrance-là. Même moi, à chaque fois que je tombe là-dedans, j'ai envie de mourir. D'ailleurs, j'ai hâte que mes articles sur la cryptographie, en particulier OpenSSL, etc., soient terminés. Parce que franchement, c'est une catastrophe. Et j'ai qu'une envie, c'est de crever après avoir fait tout ça, quoi. Mais bref, bon, on le voit déjà. Là, on a un petit tag API 3.0. Donc là, on a bien les API qui sont définies. Avec un joli code bien dégueulasse. Qu'est-ce que je déteste les codes comme ça. Faudrait l'utiliser, j'aimerais bien casser tout ça un jour. Ouais, j'aimerais bien casser tout ça un jour. Ok, revenons à nos moutons. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je papote et que je dis beaucoup de conneries. Je sais pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, je pense que je vais laisser le micro et je vais peut-être retrouver mes shortcuts pour continuer à développer nos STR.
Ouais, je pense que j'ai fait pas mal le tour. J'étais un peu en retard et j'ai d'autres trucs à faire. Mais ça aura permis de parler un peu d'Erlang. Quoique, est-ce qu'on se ferait pas une petite compilation d'Erlang avec la version 3.0 en dehors du chemin par défaut? Bon, allez, on va se faire ça. On va se faire ça. On va se choper la R26 et on va s'installer la dernière version d'OpenSSL qui doit être la 3.0. Quoi qu'on peut même tester avec la 3.1 normalement parce qu'il y a de la rétrocompatibilité entre les deux. Donc on va tester ça. Allez, c'est parti. Alors. Là. Oh, mais on a même la 17. Ça vous intéresse de tester la 17? On va tester ça. Ok, donc lui il est configuré. Normalement, on doit faire un petit make. Et dès que ce sera compilé, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer avec slash configure. Normalement, on a. Ah, c'est marrant ça. Et on va se configurer le pass de librairie qui va bien. Alors, je sais plus où on configure ça par contre. Pendant que ça compile, on va regarder. Alors, SSL CC. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû configurer un pass alternatif pour l'installation. Je sais pas trop ce que ça va faire si je vais pas tout péter mon système si j'installe ça direct. Je pense que je vais l'installer en local dans un coin à la con. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ça mouline, hein. Ça vous embête aussi? Allez, on va accélérer un peu tout ça. Pas que ça à foutre. Si mon PC s'envole, ce sera à cause d'OpenSSL. Pareil, on aurait pu s'amuser à compiler avec LibreSSL à côté ou des librairies alternatives utilisant les mêmes interfaces qu'OpenSSL pour voir justement la compatibilité. Et exécuter en fait les tests suite qui sont fournis avec OTP et voir si ça fonctionne ou pas. Ah, je vous jure, ça me donne envie de faire des sessions d'installation et de compilation de FreeBSD, d'OpenBSD, from scratch.
On va peut-être se mettre un peu de musique, non? Parce que le temps que ça compile. Parce que surtout que j'ai pas grand-chose à expliquer dans ces cas-là. Je vais essayer de voir si je peux rajouter en live. Et rajouter un petit peu de musique. On fait pour ajouter ça. Alors, est-ce que vous entendez quelque chose? Je suis vraiment pas sûr. Si, a priori, ça a l'air d'être bon. Je vais mettre juste pas trop fort. Normalement, ça devrait être bon d'ouvrir et entendre un peu de la musique pendant que ça compile. C'est pas beau ça. Allez, hop. Alors, regardons un peu comment que ça fonctionne. Donc là, en fait, on est dans le répertoire où on a compilé. On a normalement nos petites fonctions, la librairie libssl, etc., qui sont présentes. Il y a peut-être même la fonction openssl qui est dans un coin. Je pense que ça doit être dans utile. Apps, bon. Donc je pense qu'il va pas trop apprécier parce que justement comme j'ai dit j'ai pas configuré les bons passes, au pire je le compilerai après. Là déjà on va voir ce que ça va donner si on fait comme ça. Donc là il est pas content, pourquoi? Bin autoconf nosuchefile directory fayette for rts ok. Ok, d'accord, il est pas trop d'accord. Version is in, donc version is libre. Ok. Ticket clean. Ça se barre. Va faire depuis le début. Que je peux faire, c'est que je peux passer par OTP build. Hop, configure. Et on va mettre, c'était. Non, il faut vraiment pas. C'est peut-être la version. La version que j'ai prise qui est pas terrible. On va peut-être se choper une autre. On va prendre la 26R3. Voilà. Ah mais non, mais 17 c'est vieux en fait. C'est juste moi qui ai fait de la merde. Je suis vraiment trop bête. Vous auriez pu m'investir, m'avertir. Hein. Je sais pas pourquoi je voulais faire ça. Allez, hop. On va se faire ça comme ça. Va peut-être mieux fonctionner maintenant. Ouais, ça va, la compilation d'OpenSSL, c'est pas le pire. Il y a quand même pas mal d'autres applications qui sont assez violentes. Le pire, si vous voulez vous amuser, c'est MercuryLang et Haskell. Vous faites ça, mais vous. Votre PC, il s'envole, quoi. Alors, Error, NetFantastic, Nord, Dynamic Library Phone. Ok, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, on va le reconfigurer. Va juste configurer un pass alternatif. Sais pas comment on fait pour. Comme ils aiment bien faire des trucs qui n'ont strictement rien à voir entre les systèmes. Ce que j'ai pas trop envie, c'est de l'installer. Alors,
Alors, est-ce qu'on peut définir un pass différent? Destia, a priori. Peut tester ça comme ça. On va voir ce que ça va donner. Déjà, c'est pas très bien, c'est pas parti, c'est pas bien parti, je pense. Non, c'est clairement pas bien parti. Bon, on va faire un petit make clean, on va le recompiler. On va recommencer depuis le début. Je sais pas quand, depuis de combien de temps il dure. Leur truc là, mais c'est n'importe quoi. C'est super vieillot comme méthode d'installation. Ah bah, la dernière fois on parlait de perles avec Martz. Ah là, là on a du beau perle. Qui fait encore du perle? Bah voilà, t'as une réponse, les gars d'OpenSSL et les gars d'OpenBSD. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est qu'en fait, en gros, il va pas vouloir faire ce que je veux. Problème, c'est que j'ai pas envie de foutre la merde sur mon système. Que GCC il est pas trop d'accord pour qu'il affiche autant de messages à la con, c'est qu'à mon avis il est pas très d'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait ce con? Si je fais sans l'install, j'ai les mêmes problèmes ou pas? J'ai les mêmes problèmes. Marrant ça. Ok. Va pas se prendre la tête. On va refaire tout depuis le début. Et on va lire un peu la doc. Peut-être un truc que j'ai loupé.
pourquoi il utilise ça. Je crois que c'est pour les warnings-WL. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est juste pour faire un test, hein. Ah, mais Perle, c'est un autre monde. C'est beau, le Perle. Ah, putain. Je déconne, hein. C'est de l'ironie, c'est du troll. Le Perle, c'est des fois ça peut être bien fait, mais généralement c'est vraiment, 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 mais alors vraiment pas cool. Allez, on recompile tout, on va voir ce que ça donne. J'en parlais des fois avec Marthe, etc. C'est que j'ai fait du Perle, c'est un peu le syndrome de Stockholm. J'ai commencé à faire du Perle parce que c'était dans une boîte où en fait, en gros, une grande partie de la stack était faite en Perle. Et en tant qu'admin 6, je faisais pas développeur, mais je corrigeais un peu les merdes qu'il y avait sur les systèmes. Et donc, en gros, je me suis forcé à bouffer du Perle constamment, constamment, constamment. Et au bout d'un moment, il y a vraiment le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que t'apprécies les gens qui te font du mal et ah, c'est particulier comme langage. Mais il y a des trucs qui sont intelligents, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est autant la syntaxe elle est un peu rébarbative, autant en fait le cœur de Perl est vraiment super intéressant. Il y a vraiment des idées qui ont été faites qui sont vraiment pas mal. Et d'ailleurs, si on peut parler un peu de ça, si vous êtes un peu fan de NetBSD, il y a toute la partie Perl kernel. En fait, ils ont intégré l'UA directement dans le kernel d'OpenBSD pour faire des drivers directement dans un langage interprété. Et au début, ils ont hésité longuement à utiliser Perl plutôt que l'UA. Parce qu'en fait, en gros, le cœur de Perle est vraiment super bien foutu. Et d'un point de vue gestion mémoire, compagnie, etc., il est vraiment pas mal. Bon, en fait, ils se sont jetés après sur l'UA. Je pense que c'est à cause de la syntaxe, je suppose. Ou parce que l'UA aussi a tout avantage assez intéressant d'un point de vue gestion mémoire. Mais il y avait toute une partie en fait sur NetBSD où ils voulaient mettre en place justement le support de l'écriture de driver, etc. Dans un langage interprété, ils avaient d'abord pensé à Perl. Et ça s'est pas fait, mais ça aurait été marrant de voir ça, en fait faire des drivers en Perl. Je sais pas si je peux vous montrer ça, la doc de NetBSD, pour vous montrer qu'on peut coder en les drivers directement dans un langage interprété. Bon, ça mouline ça, on va laisser faire. Installation. Ah, je suis perdu. Hop. Un petit coup de NetBSD. On va se choper quoi? Pour info, j'espère que la musique que je suis en train de diffuser, elle est vraiment libre, parce que sinon, le replay sur Twitch, il va pas être, il va pas être très visible. Et voilà, donc en gros, ça explique comment écrire du code en Lua. Les charger par exemple directement dans le kernel, etc. quoi. Alors je sais pas si c'est exactement cette partie de la documentation qui explique ça. Ah, je sais plus. Ok, ça m'a l'air pas mal. Nickel, ça va peut-être marcher un peu mieux. Va laisser ça mouliner et on va regarder ça un peu. Donc en fait, si un jour vous faites du NetBSD ou si vous voulez vous amuser sur du bas niveau et de l'embarquer, excusez-moi, en gros je pense que vous pouvez vous amuser avec l'UA et ça vous permettra de faire potentiellement des drivers directement en l'UA
au niveau du kernel. Et franchement, à l'époque quand j'avais suivi ça, j'ai trouvé ça mais juste incroyablement hardcore quoi. Se dire qu'on peut jouer directement avec les. Enfin du bas niveau avec du Lua sur du kernel, c'est juste incroyable quoi. Merci à Rump. Bref, si vous avez l'occasion de regarder ça, c'est assez intéressant. Alors, est-ce que ça fonctionne quand même? Voilà, ça va arriver. La doc. Ouais, quand il dit qu'il installe le monde entier, il installe le monde entier. Hein. Je pense que la doc elle est faite, donc ça devrait passer. Il y a des cas, ça crachera, je refais la conf. Crois que le meilleur investissement que j'ai fait il y a 2 ans, c'est d'acheter un PC neuf avec. Je crois qu'il y a 16 cores dessus. C'est con à dire, mais c'est assez pratique. Allez, c'est reparti, on va compiler la machine virtuelle Erlang, on va se faire une petite release, et on va voir si c'est compatible avec la version 3.1. Après, faut pas cracher dans la soupe. Hein. Si tu me donnes par exemple du Perl et du PHP, je préfère sincèrement le Perl. PHP, c'est vraiment un langage de malade mental. Hein. C'est. Même du JavaScript, c'est une horreur ces langages. Je vous jure. Enfin bref, étant donné que je suis pas développeur à l'origine, mon appréciation des langages, moi, à part le C en gros et Erlang. Peut-être entre guillemets quelques alternatives comme Zinglang. D'ailleurs, faudra que je fasse un petit truc sur Zinglang pour m'amuser. Peut-être une vidéo sur Zinglang. Parce que je trouvais que le langage il m'intéresse pas mal et ça a l'air assez cool quoi. Allez, mouline, mouline. Faudrait que je vous fasse une compilation de MercuryLang, histoire de pouvoir vous montrer comment faire pleurer un système. Je sais pas si vous utilisez beaucoup. Vous compilez des fois les sources d'Erlang? Parce qu'il y a quelques mois, en fait, j'avais refait. Quelques mois, ouais, à peu près. J'avais commencé à refaire les packages pour OpenBSD et cleaner un peu tout ça. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça à ma place, a priori, après. J'étais un peu dégoûté. Mais des fois, c'est intéressant de compiler sa propre version d'Erlang avec ses propres options pour voir comment ça fonctionne. Voire même avec d'autres librairies.
Allez. Ça mouline, ça mouline. Au moins, c'est bien, ça va nous permettre de savoir si c'est compatible avec la version 3.1 de. Voilà. Ouais, c'est intéressant de compiler des fois. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne, comment ils font les trucs. Franchement, c'est intéressant au final. Alors, ça sert pas à grand-chose, hein, on va pas se mentir. Sauf si vous avez des systèmes assez particuliers, vous voulez faire du bootstrapping à gauche à droite. Mais de temps en temps, c'est bien de voir en fait, en gros, toute la procédure pour compiler la stack qu'ils utilisent, etc. C'est quand même assez intéressant. Ah, ça devrait arriver. Ah, pareil, il faut que je fasse un truc sur les lecteurs et les parseurs avec Yak et Lex. C'est vraiment deux outils que j'ai jamais eu trop le temps de travailler. C'est un gros de mes points, hein, un gros point faible que j'ai. C'est que j'ai pas travaillé sur ces outils-là et c'est quand même assez pratique de les avoir des fois sous la main. Donc. Oh putain, mon PC il est en PLS, il est en train de chauffer. Est-ce que faire du stream et faire de la compilation en même temps, il n'aime pas ça. J'aurais dû me connecter sur un de mes serveurs plutôt. Parce que là, le pauvre, il est en train de douiller. Allez, mouline, mouline, mouline. Ah mais le son il est dégueulasse en fait. Je viens d'écouter sur mon téléphone à côté là, mais c'est ignoble. On va supprimer ça. Ça c'est la joie de d'un autre outil que vous devez probablement apprécier. C'est comment ça s'appelle Plus Audio qui me fout la merde. Putain j'avais pas vu. Bah écoute, dégage Plus Audio. Ah, je suis désolé en fait, je pensais avoir mis du son pour que ça fasse passer le temps pendant la compilation, mais en fait c'est dégueulasse. Je suis vraiment désolé, je pense que je vous ai bien niqué vos oreilles. Ouais, Pulse Audio. Bah ouais, hein, qui a créé quoi, Pulse Audio? On se demande qui a créé Pulse Audio? Le même personnage qui nous a offert cet incroyable système D. Un personnage haut en couleur dans la communauté open source. Je vais éviter d'aller plus loin parce qu'après ça risquerait d'être un appel à la haine. Mais putain. En tout cas, il y a des points positifs. Hein. Ce mec qui a créé Pulse Audio, grâce à lui, ça m'a forcé à migrer à l'époque 99,9% de mes serveurs sur FreeBSD ou OpenBSD. Faut admettre que bon, il y avait des côtés positifs à tout ça. Mais voilà, le son dégradé, c'est Plus Audio. Je vous jure. C'est incroyable, quoi. On est en 2023. On a eu pendant, je sais pas moi, pendant 20 ans, en fait, du ALZA qui fonctionnait. Moi, je sais pas, j'ai connaissé que commencer avec des systèmes Linux, ça devait être en quoi? En 2000, 2002, 2003, je crois. Et on utilisait du ALZA, quoi. Et Alsa, ça a juste marché, il n'y avait aucun problème. Après, il y a Jack qui est apparu. Pour ceux qui connaissent pas Jack. Et franchement, cet outil-là a été merveilleux. Je ne sais pas comment on a fait pour passer de ça à Pulse Audio. Franchement, les mecs, il faut qu'on m'explique quoi. Je comprends pas quoi. Ce truc, c'est une tuerie quoi. Jack, c'est énorme. Mais alors, la compatibilité avec les outils existants, etc. Mais. Catastrophique quoi. Et à la place, on se tape une merde comme Pulse Audio qui fonctionne une fois sur 10, qui est impossible à configurer et que personne ne comprend. Je pense qu'il est quasiment impossible à modifier aussi. Donc, bref, les joies quoi.
Bon, il a fini. J'aurais dû faire une petite release. Parce que je crois que j'ai compilé tout. Là, il est en train de tout me faire. Hein. Enfin, pour les gens qui aiment bien un peu la musique, parce que j'ai fait pas mal de musique quand j'étais au lycée, on utilisait pas mal Jack en fait pour faire des modifications de son, etc. C'était open source. C'était vraiment pas mal. Et Campus Audio est arrivé, mon cœur s'est arrêté. C'était vraiment une horreur. C'est Campus Audio, je me souviens que à l'époque j'utilisais un peu de Ubuntu pour tout ce qui était édition sonore. Et j'avais fait une mise à jour et ça m'avait pété le son, mais de tous les côtés, j'avais dû tout réinstaller from scratch. Et même après la réinstallation, en gros, ça, c'est, y a plus rien qui fonctionnait. C'était une catastrophe. Et le plus drôle, c'est que quand System D est arrivé, les gens, ils ont exactement les mêmes soucis, mais d'un point de vue système. Je me souviens d'un gars sur qui je parlais sur IRC, qui bossait en fait en gros sur de l'hébergement de système, je crois. Je sais plus ce qu'il faisait, il travaillait dans l'hébergement, je crois. Et le mec, il avait mis en place, ils avaient mis 1 an et demi, je crois, 1 an ou 1 an et demi pour migrer en fait à System D, parce qu'ils avaient énormément de scripts de démarrage avec l'ancien outil en fait. En gros, c'était une catastrophe. 1 an et demi, ils avaient une équipe de 3 ou 4 personnes pour gérer ça, pour tous les use cases, etc. Et tout. Quand t'en arrives à des trucs comme ça, tu te dis, mais les mecs, quoi, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez fait ça? Bon, bref, passons. Erlang a été compilé, on va tester ça tout de suite. Donc maintenant, je suis en release 26, release candidate 3. Et donc, ce qui veut dire que normalement, si j'ai SSL et crypto. Oh my god, ils ont l'autocomplétion. Oh, je pense que dans pas longtemps je vais essayer. Donc voilà, donc on a bien la version 3.1.0 qui est compilée, qui a été compilée. Non, c'est la version du 14 mars 2023 a priori. Donc a priori déjà la crypto info fonctionne. Ce que je propose de faire, c'est qu'on va faire les tests. Comment on fait déjà les tests? Je sais plus. Je sais plus, test, build, test, lib crypto, ça doit être ça. Ah, j'ai oublié un S. Va tester ça. Alors, is not. Pourquoi il veut pas? Bon, je sais pas pourquoi il marche pas. Peut-être que dans le Mac file, il y a les tests. Désolé pour le dégueulis de ligne de code. Ligne de compilation, excusez-moi. Je ne connaissais pas cet outil par contre. Il va falloir que je fasse un tour dessus. Ça a l'air pas mal. Je regarderai ça plus tard. Ah, mais on a un script qui s'appelle target-script.sh. Je pense que ça va mettre un peu de temps.
Bah en tout cas, juste pour info, on a lancé la version de sur Erlang. On peut très bien faire un petit test quand même, en mode à l'arrache, voir déjà si les trucs de base en fait sont utilisables. Bon, a priori, déjà la génération de nombres aléatoires est fonctionnelle. Peut-être pas se mettre RSA, on va mettre du. RSA pour voir. Oh my god, mais l'autocomplétion, ça fait tellement plaisir. Quatre mille quatre-vingt-seize et 65 535. Bah déjà a priori la génération de clés RSA a l'air de fonctionner. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est des échanges de clés. On va peut-être faire l'application. All started SSL. A priori, ça a l'air de fonctionner aussi. Ah, en tout cas, la connexion SSL a l'air de fonctionner, hein. Là, je suis passé à la V6, hein. Franchement, pour les sessions open bar, c'est juste. C'est énorme. C'est juste totalement énorme. Franchement, ouais, je pense que dès que la V6 elle est release, on va migrer tout en V6. Ça veut dire que toute la partie code, etc., que je vais faire après, ce sera carrément plus facile en fait d'expliquer un peu comment ça fonctionne, plutôt qu'à chaque fois d'avoir à me prendre la tête, d'avoir la doc, etc. Ça va aller carrément plus vite, quoi. Ah, c'est une super bonne news qu'ils aient mis ça en place. Je pense qu'ils ont dû rajouter en fait le support de LED aussi. On va tester ça tout de suite. Ah, peut-être pas ça, Rinets. Ok. Erlang. Maps, peut-être.
l'intégration des docs, il faudra que je vois comment que ça marche. Mais il y a peut-être une conf à faire. En tout cas, ouais, je pense que la 26, ça sera la prochaine version que je vais utiliser partout. Donc faut voir. Mais en tout cas, bon bah je confirme. Hein, si tu viens de revenir Mars, on a compilé Erlang from scratch, basé sur la dernière version 3.1.0 d'OpenSSL. Ça a l'air de fonctionner. Alors les tests actuellement, je suis en train de tout tester. Ça prend peut-être pas mal de temps, il y a beaucoup de choses à tester. Mais a priori, ça a l'air de fonctionner. Donc, via ta question et après investigation, je te confirme que ça supporte la version 1.1, la version 3.0 et la version 3.1.0 est aussi a priori supportée, mais par rétrocompatibilité avec la 3.0. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Et quelle heure? Oh, je suis resté 2 heures, presque. Bah, je vais devoir y aller, moi. Donc, bon, on verra pas les tests à la fin, mais pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas. J'ai fait des connexions sur du go.com avec un, comment ça s'appelle, avec un client SSL, etc. Ça avait l'air de marcher. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour le reste, quoi. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. J'espère que vous avez appris des trucs alors que c'était totalement à l'arrache. On se dit à la prochaine et puis bah écoutez, prenez soin de vous. Ciao ciao.